mettre Olala, faire de la lutte contre la corruption une priorité. La corruption gagne de plus en plus de terrain dans la Grande Île. Plusieurs domaines sont concernés, dont notamment la justice. Pour Maître Willy Rezanzatov dit « Oh là là, il faut coûte que coûte regagner la confiance du peuple. Il faut également enseigner la loi à la population. » La journée de lutte contre la corruption a été célébrée hier, 9 décembre. Vive la journée d'aujourd'hui, vive la lutte contre la corruption, parce que nous sommes en pleine corruption. Et ça, c'est prolifère et à Madagascar, c'est les pays de rêve de la corruption. Hélas, je suis peut-être méchant, mais c'est le cas, parce que qui, en face de moi actuellement, qui parmi ceux qui m'écoutent actuellement pourrait me dire que c'est pas ça qui, avec lequel nous vivons actuellement? Je vais dire par là, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Essayons, à travers nos dirigeants, parce que l'exemple vient toujours d'en haut. Essayez de minimiser vos soifs de richesse. Essayez de minimiser vos soifs de pouvoir. Le pouvoir, d'accord, mais la richesse, c'est à travers cette soif que nous sommes comme ça actuellement. Si vous pouvez atténuer un peu cette soif, si vous pouvez un peu regarder autour de vous, au-delà de ceux qui sont autour de vous, le pays, le peuple, nous irons très loin. Je vous demande humblement, mes compatriotes, allez-y, vous êtes responsables aujourd'hui, demain vous ne le serez plus, mais si vous continuez à être corrompus, vous tuez les pays, la colère du peuple retombera sur vous ou bien sur votre famille, parce que ce que vous faites aujourd'hui, ça, les gens vont retenir, mais après, ils vont revenir. Mais d'une façon, nous connaissons déjà comment ça va s'arriver.